Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour une ouverture du coffret Zenith Suprême Zamazenta, comme promis. La pioche d'hier a été pas catastrophique en quantité. On a eu quand même énormément d'ultra. Malheureusement, pas d'ultra déjà que je recherchais. De grosses ultra, hein, parce que quand on ouvre ces coffrets, on veut de grosses ultra, mais on aura eu quand même 9 ultra, dont la plus notable, le Pikachu, qui est magnifique. L'Aloclass est quand même très joli aussi, Latias aussi, Duralugon, pour moi c'est la cata, évidemment, le reste est plutôt sympa. Let's go, on va essayer de faire mieux, voire beaucoup mieux. 9 ultra sur 11 boosters, c'est pas mal. Allez, ça sera certainement mon dernier coffret que je vais ouvrir de cette série-là. Je me suis gardé, je crois, 2 ETB, tout simplement pour un autre moment, hein, voilà, hein, peut-être qu'un jour j'aurai envie de revenir sur cette série-là, parce que pour moi c'est vraiment une des plus belles séries de épée et bouclier. Zamazenta, très très jolie. Les deux cartes promo sont top, hein. Franchement c'est cool, vraiment cool. C'est très joli coffret, entre 70 et 80 euros. Le pins, la petite figurine, ça aussi c'est sympa. Et la sleeve que j'aime pas, ça vous le savez, je le dis à chaque fois. Et on y va, c'est parti. On va pas perdre de temps pour présenter le coffret, on l'a déjà vu. D'ailleurs, je t'invite à regarder mes deux premières, on va dire, ouvertures de ce coffret qui était juste épique en qualité des ultras. Et c'est ce qu'on veut voir maintenant. Voilà, on remet ça et on veut voir des très très belles ultras. J'avais réussi à avoir 3 alternatives incroyables. Suicune, Reiku. Et je me souviens plus de la troisième, malheureusement. Suicune, Reiku et une troisième. Mais je me souviens plus. Allez, let's go, on y va. Place à cette ouverture de folie. Et là, franchement, je croise les doigts. Parce qu'on a eu quand même, voilà, je te cache pas que l'Azacian, c'est pas ce qu'on veut voir. Là, on veut faire beaucoup mieux. Allez, premier booster. Est-ce qu'il va nous donner le ton un petit peu de cette ouverture? Metang, Shaymin, Ami de Izui, Lexi, Pyronil, Scalpion, Whelmer, la Pokéball, la première carte rare, et on aura un Rocabo en holo. Bon, en reverse. Est-ce que ça donne le ton? J'espère pas. Entre nous. Allez. Deuxième, on va pas se laisser abattre pour un booster. Voilà, on sait que c'est possible. Faut la main chanceuse un petit peu quand même. La main chanceuse, ça serait le Mewtwo V-Star qui serait incroyable. Incredible. Ça serait fou, quoi. Ça serait vraiment fou. Alors, le Givrali me ferait plaisir aussi. Hein. Gravalanche, le Super Bonbon, Luxio, Smogo. Kenotor, Tritox, Chakrifan, Larvibule. Allez, on y va avec un Regigiga, ça pue. Et on a la Super Bowl. Bon. Est-ce qu'on fait pire que l'ouverture d'hier? On va voir. Comme ça. Alors, je vais essayer de faire un petit peu de place parce qu'on va mettre les hits là quand même. Hein, le but, c'est quand même de voir tout ça. Troisième booster. Alors pour l'instant, deux boosters, une ultra. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Le maillet écrasant. Ortide, Luxio, Étourmi, Échange, Léneuf, Love Disc, Emolga. Allez, on attaque. Pas possible. 3 boosters et toujours rien. Aïe. Bon, j'ai envie de te dire, je préfère avoir rien et une seule carte. Mais c'est pas fou. C'est pas fou du tout. Allez, les amis, il nous faut. Qu'est-ce que j'avais eu comme
Je sais que j'avais eu trois alternatives, mais je me souviens plus de trois. Bon, c'est pas grave. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, on invoque les cartes, les Vestars. Ah oui, j'aimerais bien. Il y a la Philali, la Givrali. C'est vraiment l'objectif. C'est vraiment l'objectif de cette dernière ouverture. Ouh, j'avais dit Philali, mais c'est pas celle-ci. Mais elle est sympa, je l'avais pas. Donc ça, c'est cool. Petite Vestar, très. Je crois pas l'avoir. Ah, maintenant, j'ai un doute. J'ai un doute. Elle est belle. Les cas, c'est une très très jolie carte, mais c'est une carte qui est sous. Je pense qu'elle doit valoir pas très cher. Elle est sous-évaluée. Je la trouve splendide. Mais les petites Vestars comme ça coûte quasiment rien. On fait le doublé ou pas? Oh, pas le doublé. Bon, 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 bon. Ces petites Vestars comme ça, c'est le moment. Hein, de. Je crois que le Dracaufeu Vestar, vous pouvez le trouver pour une dizaine d'euros. Hein, c'est ce que j'avais fait. Franchement, c'est une superbe carte. Hein. Et c'est pas si simple à dropper. Hein. Je l'ai jamais droppé. Hein. Je veux dire, on vous dit oui, machin, mais c'est pas le fait qu'elle soit voilà, simple ou pas simple à dropper. Hein. Le prix que l'on paye d'une carte, hein, c'est tout simplement, ben voilà, c'est surtout la demande. Hein. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de cartes qui sont pas beaucoup demandées. Rien que le Pikachu secrète, je l'ai jamais eu. Putain, j'en ai ouvert des boosters. Hein. Et c'est une carte qui coûte 15 euros, 20 euros. Pas plus, hein. pas plus. Donc ouais, c'est pas très très cher pour une carte qui est incroyable. Elle est magnifique. Qui plus est, elle est magnifique. Je veux dire, il n'y a pas de... Y a... C'est un sans faute, cette carte. Elle est incroyable. Je la trouve vraiment incroyable. On parle, mais on n'a pas de hit là. Hein. Girafarige, échange d'énergie, Escroco, Scalpion, Crixic, un Pijaco, Mister Mime, un Tournegrain, Joliflor. Est-ce qu'on va pas faire pire? Pire qu'hier. Ça part très 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 mal. Ça part très 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 mal. Allez, let's go. On y croit encore, comme on dit. Hein. Tant qu'il y a des boosters, il y a la possibilité de faire tomber une carte de dingue. C'est des rocs. Solaroc, super bonbon, le monsieur Mime, Tournegrain, Smogo, Kenotor, Tritox, aïe aïe aïe, Goroutan, aïe aïe aïe, et là c'est la cata. Hein. Là on se fait allumer. Hein. Là sur cette ouverture, on se fait vraiment allumer. Hein. C'est énorme. Hein. Là, en quantité, en qualité, c'est énorme. Mais peut-être qu'il a entendu le message que j'avais dit, hein, mais il faut avoir une carte et la bonne. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Là, il nous reste 5 boosters. Je vous cache pas que le stress monte. C'est quand même un coffret à 75 euros. Hein. Alors, ok, je veux bien. Il y a la petite figurine, machin, mais bon, hein, c'est pas... C'est pas ouf, c'est pas ouf du tout. Là, il nous faut au moins une petite alternative parce qu'on n'en aura eu aucune en 22 boosters. C'est ouf hein, quand même. C'est ouf. Hein. Non, il faut, il y en a au moins une. C'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Je vais m'arrêter de parler là, tellement c'est chaud là. Aïe, 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 ça s'arrête plus. Ça s'arrête plus. Ça s'arrête plus. Ça s'arrête plus. Bon. C'est pas possible. Ça ne s'arrête plus. Là, c'est la tristesse. C'est la tristesse. C'est le désespoir. C'est le désespoir. Allez, let's go, on reprend. On reprend, on ne se laisse pas battre. Faut dire, j'ai eu des moments. Je me souviens le pire run que j'ai fait et je ne faisais pas les vidéos. C'était sur du XY, les tripacks. Je crois que c'était un puissant turbo. J'ai dû ouvrir 30 boosters. Donc 10 tripacks. Une turbo. Une seule turbo. C'était un truc de fou. Allez. Aïe, aïe, aïe. C'est incroyable. Franchement, c'est fou quand même. C'est fou ce run comme ça. Il nous reste que 3 petits boosters, ça veut dire au mieux 6 ultras, au mieux du mieux. Ça donne le ton. Le run est dégueulasse. Franchement, je me demande si on va mettre. Je la mets cette vidéo là. Bon, on la met toujours parce que, bah voilà.
Parce que bon, faut montrer la vérité, hein, on peut pas gagner à tous les coups, hein, c'est comme ça. Hop, elle a un cadrage dégueu, dégueu. S'il te plaît. C'est des rocs. Solar Rock, l'aspirateur perdu, fan d'espiègle, échange, Stalgamin, Pyronil. Aïe aïe aïe. Oh là là, Plumeline. Oh aïe 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 aïe. Plumeline, je crois pas l'avoir, Plumeline, mais c'est pas très joli. Je rigole, mais c'est pas marrant là. C'est pas marrant. J'avais eu certains followers qui m'ont dit qu'ils avaient eu voilà, ce genre de tirage. Ben voilà, c'était le cas aussi. On peut pas avoir des dingueries à tous les coups, mais il me reste deux boosters. Je veux croire encore qu'avec deux boosters, on peut sauver la mise. Et je veux le croire. Je veux le croire parce que tout est possible. Tout est encore possible. Allez, les chaussures de randonnée, Shaymin, les amis de Issui, Stalgamin, Rocabo, sac de nœuds, Balbuto. Allez, énergie combat. Kata, kata. Allez, le dernier booster, les amis. Et là, franchement, on a fait 3 ultras pour 11 boosters. Aïe, aïe, aïe. Ça picote. Hein. Ça picote, ça picote. Hein. Ça picote beaucoup, beaucoup trop là. Beaucoup. Heureusement que j'ai fait un très beau tirage sur les deux autres coffrets. Hein, parce que là. Allez, aspirateur perdu, là. Super Ball. Solarock. Galekid. Riolu. Étourmi. Je crois qu'il n'y a rien en plus. Aïe, 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 aïe. Rongrigo qui me nargue. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, ça aurait été une catastrophe. Pire que l'autre coffret. Mais là, vraiment, c'est une grosse, grosse cata. Bon, bah, tant pis. C'est comme ça. On terminera sur ce coffret. Malheureusement, très, très, très mauvais. Ultra, ultra mauvais. Malheureusement. On ne peut pas dire le contraire. Hein. Pour 11 boosters, avoir ça, c'est vraiment horrible. Mais c'est comme ça. Là, il n'y a même pas de. Moi, je dirais rien. Allez, j'espère que ça t'a plu quand même. Je crois que c'est le moment de pas trop s'appesantir. On va quand même se dire qu'on se donne rendez-vous demain pour ça. Voilà. Et on espère avoir fait mieux que là. Parce que là, franchement, j'y crois absolument pas de ce coffret. Je crois que c'était vraiment le coffret horrible par excellence. Je pense qu'on peut faire pire. Et on s'est dit à très très vite. Je lâche pas. Allez, ciao, ciao.